Coucou tout le monde, donc me voici pour une vidéo sur un haul action et Noz. Je vais commencer par Noz, j'ai trouvé 2-3 trucs. Donc j'ai trouvé ces petits pots de paillettes. Je crois que c'est pour mettre, on peut les mettre sur les ongles ou la peau. Je sais pas très bien expliquer et comme c'est pas écrit en français non plus de toute façon. Ah bah si. C'est fait en France. Mais il n'y a aucune explication, donc comme ça. Wash and after. C'est pas écrit. Non, finalement, c'est pas écrit en français. Donc voilà, vous avez juste ça. Mais... Je pense que c'est pour mettre sur la peau. Donc vous avez des couleurs gris foncé, bleu et vert. Un avec du argent doré orange et un peu plus foncé. Donc celui-là c'est le même. Et dans les tons rose clair, fuchsia, rouge, violet. Voilà, j'ai trouvé que c'est modèle. Donc pour 1 euro le paquet. Ensuite j'ai trouvé ceci. Donc en fait ça sert de support pour les portables, une photo ou une feuille. Donc ça a coûté 99 centimes. Donc en fait on comme ça. Hop. Et en fait vous avez trois niveaux pour tenir. Vous avez un niveau là, 2, 3. Si vous voulez que ce soit sur le plus touché ou pas. On va mettre sur celui-là. Donc ça sert de support, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, une carte, ce que vous voulez. Donc il y avait plusieurs couleurs, je l'ai pris en transparent. Hop. Donc ça, c'était ça, je vous montrerai après. Après à nos, il y avait ces verres pour Halloween. Donc vous avez la citrouille, vous avez Frankenstein et un crâne. Donc je vais mettre ça sur ma table d'Halloween, comme ça chacun aura, en fait c'est rempli de friandises, donc chacun aura son petit verre de friandises. Donc ça a coûté 1,99. Donc voilà pour Noz. Ensuite à Action, j'ai trouvé quelques nouveautés comme les tampons de Noël. Donc vous avez celui-ci avec le bonhomme de neige et la petite boule, le cadeau et le dice pour le bonhomme de neige. Évidemment il y a le reflet qui gêne un peu. Je vais essayer comme ça, voilà. Hop, j'ai trouvé avec le sapin le Happy New Year, le traîneau avec le renne ici. Donc vous avez le dice juste pour le Happy New Year. Celui-ci avec le pull, l'étiquette Merry Christmas avec la petite tasse ici que vous avez avec une rondelle de citron et de la cannelle. Je crois que c'est de la... Non, la... Oui, de la cannelle, je crois. Une pomme... Un petit bonhomme de pain d'épices. Donc vous avez le die du bonhomme de pain d'épices et de l'étiquette. Et le dernier avec Merry Christmas ici et la couronne Merry Christmas. La branche de houx et le poinsettia, normalement c'est fleur de Noël. Avec les dies, voilà. Donc normalement je crois que c'était 1,79€. Ensuite j'ai trouvé... j'ai pris ce set de mousse pour essayer de faire des effets de peinture. Donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai essayé, mais par contre c'est pour une prochaine vidéo, donc je vais pas tout vous montrer. Voilà, j'ai fait un effet de peinture comme ça pour faire un peu vieilli.
Donc là, je l'ai fait avec au pinceau et avec mon doigt, donc c'est pas pratique. Donc je vais essayer avec de la mousse, si ça le fait ou pas. On verra bien, je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Donc ça, c'est un projet que je vais faire devant vous en tuto. Donc là, je finis celui-là, mais on va en faire un ensemble. Ensuite, j'ai trouvé ceci pour mon échange avec Ilona Scrap, qui ne les trouvait pas. Donc je lui en ai pris un. En échange, moi, je lui avais demandé un set de tag avec les tampons en bois. Donc comme ça, je vais lui envoyer ça. J'ai trouvé les feuilles comme ceci. Donc soft vintage. Donc vous avez du rose comme ceci. Donc c'est plus dans les couleurs un peu fond pastel, enfin pastel, fond aquarelle. Donc sur le thème rose comme ceci, un peu shabby. Donc il est vraiment sympa celui-là. Comme celui-là avec la fleur là. Ensuite, j'ai trouvé celui-là sur le thème lila. Donc, le violet, comme ceci. Celui-là aussi, il a pas mal de feuilles très sympathiques. Comme celui-là, avec les vieilles cartes postales un peu vintage, comme ceci. Celui-là, il est sympa aussi. Voilà, il y a beaucoup de fleurs. Il y a celui-là aussi qui est sympa. Avec les écritures comme ça. Franchement, il est trop sympa celui-là. Donc voilà pour le papier. J'ai pas trouvé d'autres papiers, ni les nouveaux de Noël. Ensuite, j'ai trouvé ce petit tampon en bois avec le nounours. Par contre, ils l'ont fait vraiment petit pour la forme en bois. Franchement, j'étais un peu surprise parce que je le pensais quand même un peu plus gros. J'avais pas vu. Ensuite, j'ai trouvé deux grosses nouveautés que je n'ai pas encore vues sur les hauls. Alors, c'est deux tampons en bois. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampons. Là, il y a tout doux. Là, il y a marqué important. Note. On voit pas très bien parce qu'ils ont fait des écritures en argent. C'est un peu dommage. Là, il y a des petits cœurs. Et vous avez des carrés, là, pour faire des bullettes ou des journaux. C'est très bien parce que comme ça, on peut cocher les petites cases et tout. Voilà. Par contre, les prix, je suis désolée. J'aurais dû les marquer. J'ai encore oublié. J'ai trouvé ceci. Donc, il y a 6 feuilles à 5 de papier, enfin de tissu. Celui-là, il est pailleté marron, un peu orangé, du cuir. En fait, c'est du papier avec du cuir, donc celui-là, il est orange, enfin du cuir, du faux cuir évidemment, parce que au prix où on l'achète, c'est pas non plus du vrai cuir, du marron, du cuir marron. Donc pour faire des couvertures d'albums, ça sera génial. Du pailleté comme ça, mais c'est un peu gris violacé. Et du marron comme ceci, il y en a deux, un peu plus brillant. Il y avait d'autres couleurs, il y avait du rose et du bleu, mais le papier pailleté me plaisait, mais le cuir, les couleurs ne me plaisaient pas vraiment. Donc j'ai pris que les marrons. Donc il y en a 6 dedans. Ils sont sympas ceux-là. Ensuite, voilà pour les deux nouveaux trucs, nouveautés d'action. Et j'ai pris ceci pour mon petit chat, des petites croquettes friandises. J'en ai pris deux, un au fromage et un au grillade. Et j'ai trouvé enfin les nouveaux dies. Donc j'ai pris celui-ci. 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 Donc là pour l'instant c'est les bordures. L'arabesque comme ceci qui est magnifique. Le saxophone. Le caribou. Le papillon. Merry Christmas comme ceci.
celui-ci, le toucan qui est ici, la libellule qui est magnifique aussi, cette arabesque-ci, les clochettes et la feuille comme ceci. Donc j'ai trouvé que cela. C'est déjà pas mal. Mais il y en a 2-3 encore qui me manquent, qui m'intéressent. Donc j'espère que ma tante va les trouver. On verra bien. Donc voici pour le haul Action et Nose. J'ai trouvé que ceci et c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.